Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi Sak Mapoulakay. Nous désolé du fait que hier qui était 7 juillet, nous pas arrivé là. Je ne t'ai pas tenté faire effort. Nous promettons pour jeudi, dimanche, pas ça? Nous promettons jeudi à nous faire effort pour nous capable live. Ok, guys. En fait, ça n'a pas gardé DM, non? Les représentants d'arrêt des frontières sont gros débaliers. Et si il y a un bagage qui va le faire, qui a causé pour une réforme, c'est crise aux frontières là. Puis le monde qui a traversé, finalement, républicain, vous comprenez, parce que côté blessé, c'est lorsque pile le monde ça a traversé pas pile et pas paquet. Or, il n'y a pas de résoudre si effectivement il n'y a pas une véritable réforme, sous façon dont on a demandé asile. Maintenant, nous avons dans le jour passé là, nous avons 53 personnes qui mourent, un bagage qui est atroce. Il y a un peu d'acteur qui réagit, et il y a Durbin, sénateur Durbin, qui est un sénateur démocrate, et monsieur toujours dans tout comité qui a réfléchi sur la réforme immigration. Et monsieur dit que il espérait avec la mort 51 personnes, ça y est, dans tout le là, et que ça prend le même genre avec ça, en fait, ça relé. Uvalde moment. Ça veut dire par là, nous rappelons, et pour la première fois aux États-Unis, il y a une réforme sous ZAM qui passait, c'est à cause de l'événement Uvalde. Bien que son réforme pour ZAM qui est minime. Mais quand même, c'est pour la première fois que les républicains acceptent de voter sous cause ZAM. Ok? Donc, ils pensaient que l'événement est capable d'être un élément catalyseur pour permettre que des gens reviennent, en fait, viennent prendre place sous table là pour dire, monsieur, qui vient d'après tout ça? Mais inquiétude pas, c'est le monde qui a débarqué, papi, les papakettes et autres. Donc, qui vient pour nous contrer flou ça? Parce que nous gagnons, chaque gagne des intérêts différents. Donc, nous pensons que, au final, a fini par gagner, on s'y attendait, et pour capable dire, c'est pas un problème pour l'amour, dit pour me résoudre simplement. Mais dans ma boue d'abord, et flou, mon cap entre, qui ça nous va le faire? Dans le sens que nous réformer loi, dans façon asile là, et autres, de manière générale. Et démocrate l'a dit ça et tout. Et finalement, il y a une possibilité pour effectivement vous avoir une réforme. Et il y a Durbin qui t'a parlé avec le journal Politico. Il dit que, et ça le dit, c'est vraiment qui dit ça. Durbin dit pour parler, on redémarre encore. Redémarre avec le sénateur Tom Tillis, qui c'est République de North Carolina. Et il dit qu'il y a une possibilité pour avoir un deal. Pendant que vous avez voyagé pour aller dans la NATO. Bien que personnellement, je dis. Et m'a quoi, il va mathématique. M'a quoi, il va le venir pour 2022 si en fait, n'importe deal qu'a fait. Ok? Et maintenant, il faut tout, par exemple, quelques parlementaires qui réagissent sur ça. Il y a un congressman républicain, le député Gonzalez, qui est dans le 23e district. Et il dit si effectivement, après ça que ça se passe là, 53 mouns innocents qui mourent dans condition ça, et que pas grand fait. Il dit, pas grand pour parler, pour dire qui on a réformé. Il dit, si réforme immigration, nous pas commencé à parler le vrai. Et donc, il pensait que, alors là, il pas besoin de grand rien, si après événement ça. Monsieur a parlé de ça, avec visa programme, nous comptons ça lié. Et au besoin, avec visa programme, ou ensemble de monde dans l'autre pays, permettre de venir travailler et autres. Donc, on bon, chaque monde a des intérêts. Vous remarquez qu'il y a un pile républicain qui est intéressé avec le parti programme. Ça. Et vous bonne compagnie tout. Et il y a besoin de visa. Parce que vous n'avez pas de monde qui travaille pour vous. Donc, c'est comme ça pour nous comprendre. Donc, le républicain il dit que faut nous ouvrir les genoux. Il pensait que bah, ça se passe à apporter les gens à ouvrir les genoux. Après 53 personnes mourir dans condition que vous mourir. Et maintenant, Supreme Court, nous connaissons. Et mettez-vous sous clou. Mettez-vous sous clou. Pour républicain et pas pour démocrate, non? Li, justement, et Biden, li m'y avait pour li quitter politique Donald Trump. Et dernièrement, m'a dans un live, comme on a discuté avec, bah, on est à la clé. Ok? Il dit que li gen droit et mette de côté son politique de Donald Trump, li, le patron loi. Ok? Normalement, pour nous, en fait, écoute, guys, si n'a pas fait, si n'a pas essayé de parler en toute objectivité, quel que soit le président monté, prenez clair sur ça. Ouais, on a fait la justice, bah, au problème. Mais en gros, quel que soit le président monté,
yon l'autre président qui te gon politique, li gen droit, li gen tout droit, li nan tout droit pour choisir pas continuer. Très bien. Li nan tout droit pour choisir pas continuer, on pas ka dire il va être président. On pas ka forcer pour li kembe un politique de un pouvoir qui te la avec. Li dur, l'aime dit dur des deux côtés dans le sens que c'est là t'a une république qui monte. Vous comprenez? Et que la font bonne bagaille en fait son politique qui gagne qui pas bon. Ou t'as rien pour t'as qu'un bé ça l'autre ça que t'es là avant des fois la justice ou forcer lui mais il va supposer ça ok c'est ça en tout parce que est bon pour et là pour le battre là et président pour le battre président lui président et quand en tant que président en tant que pouvoir exécutif lui n'a tout droit pour lui faire passer politique il va violer la loi on va oublier que Jean en fait il y a plusieurs façons qu'a décidé d'appliquer une loi et c'est ça exécutif la gain droit. Ma exécuté politiquement même choisi qui façon et moi choisi qui façon m'a exécuté. OK? Donc c'est comme ça pour nous capable comprendre qui j'ai m'a implémenté politique là. Donc ça t'a veut dire et gain en pile là qui intéresse républicain ou intéressé en pile par ouais visa et nous connaît en pile démocrate intéressé avec légaliser ou ensemble de monde qui pa gen papier dans pays a. Gen gouverneur avec lui-même qui pété coquin net. Gouverneur Abbott et l'ol tande suprême si code dit yo capable laisser tomber politique Donald Trump qui te dit faut moun yo te Mexique. Donc kon ça veut dire puisque yo bail et Biden lumière vert pour et la guerre politique ça tombe, il veut dire que eh bien plusieurs milliers moun cap en fait qui dans mon moment, parle avec la qui t'a prêté en Mexique, il n'y a pas le cas entre. Et très dernièrement, j'en dis là, il ne va pas l'entrer. On sait le coup, Britsoukou. Et Biden a fait entrer étape par étape. Donc c'est comme ça pour nous et comprendre cause ça. Donc, gouverneur Abbott, ensemble avec gouverneur Arizona, n'est-ce pas même t'as envie président. L'homme tout t'as envie président, il t'a appelé en force, enforcé de trois bagages qu'il dit à. Qui a rapport à l'immigration, mais dommage, je ne vais pas faire ça. Nous songeons à bord qui te dit la mettre le bus pour lui, pour mener mon l'autre côté. On ne va pas faire ça. C'est si mon voulait devenir corrigé, tout le monde qui voulait, volontairement, mon cabane ou libre. On ne va pas faire ça. Ou pas arrêter le monde. Parce que la marché, il va gagner immigration status. On ne va pas faire ça. C'est pareil tout pour le gouverneur de Arizona qui sont républicains. Nous voulons parler. Doug Ducey, il déclarait qu'il fait signer un projet de loi là, côté qu'il dit qu'il y a près de $500 million. 500 millions de dollars pour border security. Parce qu'il dit Biden va pas agir. Et c'est le gouverneur Arizona qui pourrait faire ça. N'a pas la zone ça, c'est le souvent côté de traverser, au point Texas, Arizona, et California, tout bien pour faire les monde qui entrent. Ok, so guys, nous devons porter update ça pour vous. Donc toujours été connecté avec et parmi ça ma pour la caille. Bye bye tout le monde.